regardé le match ensemble. Sidi jouait avec la Gambie. Juste à la fin du match, lorsqu'on avait dit que le Sidi a eu un penalty, et le dit penalty a été annulé par l'arbitre Sakra, c'est là-bas que mon ami est venu. Ainsi, j'ai regardé derrière moi, je l'ai vu à terre. Quand je l'ai vu à terre, j'ai crié, venez m'aider, je ne comprends rien. J'ai couru vers la police, je suis venu avec certains collègues de la police et on m'a aidé de le faire monter dans un véhicule. On s'est transporté immédiatement à la base militaire, à l'hôpital là-bas. C'est là-bas, dès que nous sommes rentrés dans la cour, le premier docteur qui est venu nous intercepter me dit que nous avons envoyé un corps comme ça. Mais docteur quoi? Il m'a dit, ouais monsieur, mes condoléances. Non, je ne comprends pas. Lui vient de tomber. Juste, il respirait dans la voiture. Allez, vous avez envoyé un corps ici. Voilà sa carte, voilà, il vient du service comme ça. Aussitôt, on s'est croisé dans la commune de la mairie pour regarder le match de cinéma. Il y a maintenant le corps. On nous a motivé d'envoyer le corps à la morgue de Yassou, soit à Donka. Aussitôt, on a aussi envoyé le corps à l'hôpital de Yassou. Qu'est-ce qu'il faisait votre ami, M. Camara? Ministère de la Justice à Oukalo. Première instance de Kalo. D'accord. Il s'appelle Noumouké Camara. Noumouké Camara. Il avait quel âge? Il avait des enfants? Il avait 60 d'années. Est-ce qu'il avait des enfants? Il a des enfants. Et combien? Des grands enfants. Ah, il a des grands enfants. Marié à deux femmes. Marié à deux femmes. Il est tout près de ce colonel qui est parti à Kindiala. Commando. Il est derrière le commando ici. Il est logé tout près. Est-ce qu'il sera enterré aujourd'hui ou? On me dit, je vais là-bas comme ça, la maison me tient. J'apprends déjà avant que je sois là que mes amis sont auprès du corps à l'hôpital, qu'on doit l'envoyer à Kindiala aujourd'hui. Il sera enterré ce soir. Je vais pour manquer le conseil. Parlez un peu de votre ami, comment il était de son vivant. Jovial, c'est nous qui le faisons prier ici, à chaque moment. Et puis hier même, il était en gêne. Il gêne les lundis et les jeudis. Il était en gêne hier. Ah, d'accord. Mais c'est l'affaire de Sidi là. On a cru le match là. Parce qu'il était motivé pour le gain de Sidi. Hier, il me disait même pourquoi l'entraîneur a retardé de faire sortir mon laissé là. Alors lui, il est efficace, il devait le faire sortir depuis au départ. Et les gars, il vient de rater un but comme ça. Paf, on a signalé un penalty. Penalty raté, il est tombé. C'était presque à la fin du match. Après 1 minute 30 secondes, il a soufflé un but. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur. Le corps est avec nous. Bon courage. On le déplace pour Kenya. Dans son village natal. C'est quoi son village natal? Pardon? Son village natal, c'est Kindia. Kindia, d'accord. À Ferefou. Merci beaucoup.